Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Pokémon et on va bien évidemment continuer notre arène, l'arène des fées, et nous allons combattre Sally, Sally avec qui on a déjà pas mal discuté hein, finalement, donc la championne de l'arène des fées, c'est parti. Bon, c'est un peu tard pour les présentations, mais enchanté, je suis Sally la championne. J'ai bien observé ton audition et j'ai jaugé tes réponses au quiz, mais maintenant fini de jouer. Passons aux choses sérieuses, voyons comment ton partenaire et toi résister face à la pression. Allez, c'est parti, bébé! C'est parti, le challenger 666 est prêt. Et oui, vous aviez raison, je sais pas lire un tableau de type de dégâts, puisqu'en fait, j'ai pris un tableau qui se lisait dans l'autre sens. Il y a des tableaux qui se lisent dans les deux sens. Résultat, j'ai mal lu le tableau. Et donc, on est sacrément dans la merde pour ce combat. Oh, un Smogogo, mais c'est pas un Pokémon poison? Déjà, c'est un vrai Smogogo, ça, il a un peu changé. Smogogo, ouais, c'est un Smogogo. On va partir sur un petit Nitro Charge. Nitro Charge, alors, si c'est un Pokémon fait poison, ça veut dire qu'il prend cher contre l'acier, prend cher contre le poison. Et le poison, il prend cher seulement contre le psy et le sol. Bon, et bah je suis ni l'un ni l'autre, ni ces trois trucs. Donc on va faire Nitro Charge. Pour essayer d'augmenter ma vitesse. Ça fait quelques petits dégâts. La vitesse de Pyrobut augmente. Smogogo utilise détritus. Aïe 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 aïe. Réponds à cette question. Alors dis-moi, sais-tu quel surnom on me donne? La sorcière ou l'enchanteresse? Elle ressemble à une sorcière. Mais c'est pas vraiment une sorcière. Mais elle ressemble à une sorcière. Et l'enchanteresse, elle Pokémon des. Elle s'occupe de fées. Mais elle a un Smogogo. Oh, j'en sais rien moi. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux et hop, la sorcière. Mauvaise réponse. C'est dommage. La vitesse de Pyrobus baisse beaucoup. Merde. On avait augmenté notre vitesse. Est-ce qu'il attaque quand même en premier? Oui, il attaque quand même en premier parce qu'on avait augmenté notre vitesse. Ça va. C'était worth de faire la nitro charge. La vitesse de Pyrobus augmente. Smogogo utilise détritus. Allez, coup critique. Et le poison. Aïe, 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 Pyrobus qui va prendre très très cher. Allez, faut espérer le tuer avec la nitro charge. Et ça fera déjà un Pokémon pour un. Bon, c'est mon Pokémon le plus fort, mais c'est bon, il l'a battu, bien joué. La vitesse de Pyrobut augmente, Smogogo ennemi est KO. Je me demande si la vitesse, elle est toujours augmentée pour le reste des combats. Notre équipe a gagné des points d'expérience, bien joué Pyrobut. Mais je suis toujours empoisonné, et ça fait chier. Pyrobut souffle de poison. Sally, la championne, envoie un Togekiss. Voulez-vous changer de Pokémon? Changer de Pokémon. Ah mais c'est Chapeautus qui aurait été fort contre Smogogo, puisque c'est un Pokémon de type psy. Merde, j'avais un Pokémon de type psy. J'ai pas utilisé. Là, ça a l'air de. Psy, c'est nul contre fée. Psy, c'est fort contre Insecte, c'est fort contre psy. Donc, psy. Psy, c'est fort contre combat. C'est fort contre poison. Et c'est tout. Donc, c'est pas un Pokémon poison qui va nous faire affronter. Donc, je vais utiliser. Merde! Ah mais c'est Togepi. Bon, allez hop, on y va. Pire au but, utilise Nitro Charge. Bien joué. Je m'en fous de crever de toute façon. Avec un peu de chance, il attaque pas. Pouvoir antique. Ouais, s'il me le tue. Il me le tue, mais Pire au but aura fait le taf. Il a tué un Pokémon ennemi. C'est ce qu'il fallait. Il a pouvoir antique. Donc ça veut dire qu'il est quoi et quoi? Pouvoir antique, c'est quoi? C'est sol. Non, pouvoir antique, c'est qui peut faire ça? C'est. Pouvoir antique, c'est mon tri machin. Donc c'est un Pokémon sol et fée. Si c'est un Pokémon sol et fée, ça veut dire que je peux utiliser. L'acier, c'est fort contre le sol. Non, l'acier, c'est. On s'en fout.
Combat. Est-ce que combat, c'est fort contre le sol? Non plus. Sol, c'est fort contre acier. Et sol, c'est fort contre... C'est faible contre insectes. J'ai pas d'insectes. Et sol, c'est faible contre insectes et contre... Plante. J'ai un Pokémon plante? Oui. J'ai un Pokémon plante. Donc on va essayer d'envoyer... elle, Sucraine au combat. Là c'est de la supposition hein. Vu qu'il a fait pouvoir antique, il est sol. Mais ça veut pas forcément dire la vraie. Quelle est ma couleur préférée? Le rose ou le mauve? Le mauve? Ah le mauve, pourquoi n'ai-je pas choisi le type poison? La défense spéciale de Sucraine augmente. Attaquer. Alors là il faut que je fasse mon attaque la plus puissante. 60, 70. Votre Sucraine bien sûr. Lame d'air. Oh non, c'est un Pokémon vol, mais je suis con, elle vole. Ah, elle est morte. Mauvais choix, c'est un Pokémon vol et fée. Sans doute. Faut pas s'y aux attaques. Vol. 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 Vol, c'est faible contre acier. Corvélus devrait être pas mauvais contre Togepix. Togekiss. Il faut que je fasse acier. Pression de Corvélus. Acier. Ça va, il fait assez peu de dégâts. J'utilise aile d'acier. C'est super efficace. Boum! Yes! Tu dégages, deuxième Pokémon KO. Ça fait deux partout. Mistybulle. Pouvez-vous changer de Pokémon? Mistybulle? Mistybulle, c'est un Pokémon plante. Ah, j'ai plus de Pokémon... J'ai plus de Pokémon fée. C'est un Pokémon de type plante. Pas du tout. Si, peut-être. Ah si, c'est un Pokémon plante. Je vais te bouffer. Pokémon de type plante, je te bouffe. Avec bec vrille. Et normalement, je fais le maximum de dégâts. Ce n'est pas très efficace. Machouille. Ce n'est pas très efficace non plus. Réponds à cette question. Et donc, quel est mon âge? 16 ans ou 88 ans? Gros personnage, un peu de tact devant une grande dame. Aile d'acier, on va tenter aile d'acier. C'est un Pokémon fée. Ah non, mais c'est vrai que l'acier c'est nul. L'acier c'est nul contre lui. Je dois utiliser bec vrille. Ah, mais je lui fais zéro dégâts. Ok, changeons de Pokémon. Ça sert à rien. En barbare. Machouille. Machouille contre machouille, ça devrait pas faire très mal. Mais... Je peux pas le battre. Je suis obligé d'utiliser un rappel max. Un rappel max. Sur Pyrobut. Tant pis, je perds mon panda barbare. Mais je gagne Mirobut qui va lui écraser la gueule. Allez Pyrobut, on a besoin de toi. Ça va être un duel vraiment au sommet. Je n'étais pas préparé.
j'ai trop été arrogant sur ce combat. Ballon brûlant. Pire au but à toi! Ouais! Non, bien ton cul, Lulu! Oui, I'm the champion, my friend! Vantardise. Enrager la cible et plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son attaque. Non. Oublié. Sally la championne va envoyer Charmini. Voulez-vous changer de Pokémon? Continuez sans changer. Je crois bien que mon thé du matin commence à enfin faire effet. Sally la championne envoie Charmini. Et c'est son dernier Pokémon. Attaquez. Charmini, c'est un Pokémon, je sais pas quoi. Ballon brûlant. Et du prépass. Oh merde, j'ai oublié d'utiliser la Dynamax. Merde, j'ai oublié d'utiliser la Dynamax, le con. J'ai oublié d'utiliser la Dynamax, je suis un idiot. Pire au but, utilise ballon brûlant. Ça va, je lui ai fait mal. Permets-moi d'apporter un peu de féerie à ce combat. Cure G-Max. Ce n'est pas très efficace. Tu soignes ton Pokémon. Et moi, j'utilise la Dynamax maintenant. Et j'utilise Pyromax. Vas-y, Pyromite! Sauve-nous de cette situation compliquée! C'est parti, je m'en occupe. Je vais lui envoyer la max de dégâts. Allez, Pyromite! C'est maintenant! On se croirait dans un dessin animé, tellement ça a été une galère. Les Charmini ennemis et KO. Au revoir. Mais on ne peut rien faire contre Pyrobut. C'est le meilleur des Pokémon. Merde. Merci patron. Vous avez battu Sally, la championne de l'arène. Oui. Putain, on se met bien. Tu manques un peu de féerie, mais tu débrouilles plutôt bien. Iker remporte 6080 thunes. Yes. Et boum. Merci pour ce combat, jeune homme. Je dois avouer que ta prestation était tout à fait convenable. Mais tu n'es pas la personne que je cherche pour me succéder à la tête de l'arène. Je trouverai bien la relève quelque part. J'ai d'ailleurs ma petite idée sur la question. Allons, oublie cela. Ce sont les caprices d'une vieille dame. Prends le bas de chevet, tu l'as bien mérité. Merci, madame. T'es très gentil. Boum. Ch'tige. Yes. Vous pouvez maintenant capturer les Pokémon jusque level 45. Et cette CT, c'est la maison qui l'offre. Vampy baiser. Ah, ça a l'air fort, ça. La CT 87 dans la poche. Aspire la force vitale de l'ennemi par un baiser. Rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. Allez, je me sens d'humeur charitable. Je rajoute même un uniforme. Ça mettra un peu de féerie dans ta vie. Vous recevez l'uniforme fée. Riboum! Moi qui espérais pouvoir enfin prendre ma retraite, c'est raté. Et oui, moi les Pokémon fées, ça m'intéresse pas trop. Sally t'a déjà donné une CT, n'est-ce pas? Alors c'est parfait. Prochaine étape pour toi, la reine de Ludestal. Riboum! Putain, ça aurait été compliqué, hein. On n'était vraiment pas préparé, hein. Et là! Jeune homme, j'ai une course à faire à Kinkernam. C'est sur le chemin de ta prochaine arène, si je m'abuse. Tu veux m'accompagner? Avec joie. En route, mauvaise troupe. Retournez à Kinkernam. Ok, bah de toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Donc allons-y.
Kinkernam, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Bien trop industriel pour moi. Enfin, il y a bien des Pokémon à qui ça doit convenir. Il faut de tout pour faire un monde. Et boum! Allons soigner nos Pokémon s'ils sont pas soignés directement. Ah, oh, ils sont soignés directement. Donc ça va. Ça va, ça va. Bah, on va remettre Sucrène en premier. Ok, ok. Le reste, bah, c'est pas trop mal. On a juste pas de Pokémon électrique, mais on n'a pas encore la pierre. Farfuré, le problème, c'est qu'il a pas d'attaque ténèbres. Donc c'est bien joli de vouloir l'utiliser, ce Pokémon. Mais il pue un peu du cul. Parce qu'en fait, regardez, le Pokémon, il est ténèbres-glace. Mais déjà, c'est pas un Pokémon de type attaque spécialisée. C'est un Pokémon attaque. Donc moi, j'utilise pas trop les Pokémon attaque. Hein. J'utilise les attaques spé en général. Donc c'est pas vraiment un Pokémon extraordinaire. J'ai pas de Pokémon insecte. J'aimerais bien avoir un Pokémon insecte. En fait, ce que je pourrais faire, c'est prendre un Pokémon psy insecte. Je pourrais utiliser mon Astronel. Après, on a des Pokémon qui peuvent être cool. Tritosaur reste quand même un très très bon Pokémon. Donc je pense qu'on va reprendre Tritosaur. Et je pense qu'on pourrait avoir un sacré combo de Pokémon si on utilisait Tritosaur déplacé ici à la place de Farfuré, que de toute façon on peut pas faire évoluer pour le moment. Et ici, on déplace et on utilise Astronel. Voilà. Et ce qui fait qu'on a un Pokémon plante, un Pokémon combat ténèbres, un Pokémon ténèbres acier, un Pokémon sol eau, un Pokémon insecte psy et un Pokémon feu. Moi je pense que c'est une sacrée équipe qui gagne ça. C'est une sacrée équipe de winners ça. Nous on aime les winners. Déplacer. Voilà. Et on fait un truc comme ça. Moi je pense que c'est une sacrée équipe de winners ça. En plus, c'est des beaux Pokémon, ils sont tous classe, je les trouve. Astronel est stylé tout de même, Sucrène est stylé, Pyrobut, Tritosaur, Corvidus et Pandarbar. Moi, j'aime bien mon équipe. On va partir sur cette équipe-là. C'est une équipe assez complète. Et vous savez que j'aime bien avoir des équipes complètes, même si malheureusement, on ne peut plus trop faire évoluer de Pokémon. Équipe, tac, 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 badaboum, tac, tac. D'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser. Bon, je la pose dans cette question, mais c'est une question un peu intéressante quand même. C'est, vous savez, il y a Dragon Ball, l'histoire de Sangoku qui va sortir. C'est un jeu de combat, mais c'est un jeu qui raconte l'histoire, donc c'est plutôt cool. Il sort le 17 janvier et je me disais, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un let's play sur ce jeu? Alors, si je fais un let's play sur ce jeu, bah, va falloir que je me mine, que soit je finisse Star Wars, soit je finisse Pokémon, pour pouvoir, voilà, parce que je vais pas rajouter un let's play en plus. Ça fait beaucoup trop après. Donc voilà, voilà. Il faut qu'on aille par où, je sais absolument pas où on va. Ah, faut aller en direction de la route 7. Ok, donc en direction de la route 7, donc à droite en fait. Ok, ok, c'est parti les amis. C'est parti les petits gars, et là on peut attraper les Pokémon jusqu'au level 45, donc ça veut dire qu'on a quand même quelques Pokémon qui ont du retard et sur lesquels il va falloir essayer de passer quelques levels. On va bien évidemment acheter, il aurait fallu que j'achète des Pokéballs. Oh non, il m'a vu. Cette saloperie. Salut la tête à claque. Encore toi. Que me veux-tu? Tu es venu parader devant moi maintenant que je suis plus challenger et qu'on m'a dépouillé de mon bracelet défi. Tu n'as rien de mieux à faire? Clairement non. Moi, ah ah ah. Si, mais j'ai pas envie. Clairement non. Clairement non. Ricane, là, tu dois drôlement t'ennuyer maintenant que tu n'as plus un seul un adversaire digne de ce nom. Mais sache une chose, si tu crois que j'ai abandonné, tu te mets le doigt dans l'œil. Je continue de me battre pour le président, je deviendrai maître pour lui. Et je vais de ce pas le supplier de me laisser retenter le défi des arènes. Minute, ce jeune homme. Oh non. Il déborde de féerie, cette coupe improbable, cet anorak criard. Il n'a pas froid aux yeux, lui. Il a l'air franc, ça me plaît. Un peu étrange sur les bords aussi, mais c'est ce qui le rend humain. Je crois que je pourrais en tirer quelque chose. Oh, jeune homme, j'ai une audition à te faire passer. Pardon ? Du rose. Du mauve. Fabuleux ! Bravo, bravo, c'est magnifique, tu débordes de féerie. Génial. C'est vous, Madame Sally ? Mais enfin, quel dardagnan vous a piqué ?
J'ai entendu parler de toi, mon enfant. Tu t'es fait rouler par cette pain beige d'olive, pas vrai? Elle t'a utilisé pour trouver les étoiles vœux avant de te jeter en pâture à ce snob de chez Rose. Pff, viens, j'ai un marché à te proposer. Il te permettra de prendre ta revanche. Mais laisse-moi te dire que ce ne sera pas du tout cuit. Il va falloir te retrousser les manches. Vous voulez me tester, c'est ça? Après tout, pourquoi pas? Je n'ai rien à perdre. Continue à me parler des étoiles vœux, ça m'intéresse. Toi, Oust, tu as un défi des arènes à accomplir. File à l'Understair via la route 7 et au galop. Je vais pouvoir me venger. Allez, il travisse la tête à claque et toujours une tête à claque, ça n'a pas changé. Achetons des objets. Vous avez terminé filiation récompense. Vous avez désormais accès à des produits à noter de plus en. Mais je parle. Les gens oublient les bonnes manières. Bienvenue à la boutique Pokémon. Que désirez-vous faire? Achetez bien sûr. On va acheter les hyper bons. On va acheter 10. Est-ce que je voulais acheter aussi? C'est des rappel plus. Ah, il n'y a pas de rappel plus. Donc hyper potion. Non, des nouvelles potions. Oh, j'en ai encore 26, ça va. On est large. Super Ball, j'en ai 16. Hyper Ball, 10. Pokéball. On va en garder 5. Ok, c'est parti. Let's go. Des familles. Alors là, l'équipe du tonnerre. Faudrait qu'on change un petit peu de... S'il n'y a pas une boutique, là, qu'on change un peu nos vêtements. Non, il n'y a pas. Allez, c'est parti. Let's go. C'est quoi, ça? Comme endroit. Oh. Bonjour. Sonia? Oui, c'est Sonia. Salut, ça avance la collecte de badges? J'ai étudié les ruines d'Olchester sur tous les angles. L'épée et le bouclier, quel genre de Pokémon sont-ils? Et où pourrait-on les trouver maintenant? J'ai tellement de questions. Je pense jeter un œil aux tapisseries et... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? C'est Nabil encore qui a fait une connerie? Le stade de Kinkerman a tremblé. Attends un peu, sous le stade, il y a la salle du réacteur dont s'occupe chez Rose. Mais le détecteur de source d'énergie réagit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le détecteur s'affole, c'est qu'on peut dynamixer les Pokémon ici même. Sonia, Iker, je ne savais pas que vous étiez en ville. Ça a méchamment secoué. Le président chez Rose est encore en train de tester une nouvelle invention. Ça craint, des Pokémon risquent de se dynamixer en plein Kinkerman. Si c'est le cas, c'est grave, je vais prévenir. À tous les coups, tu vas encore te perdre, je t'accompagne. Ne t'en fais pas pour cette histoire de secousse. On va se renseigner avec Sarak. Toi, continue à t'entraîner. Je rêve de te voir combattre en finale. File récupérer le badge du stade de l'Understair. Putain, mais ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi. Le grand Iker. Le grand dresseur. Iker, salut, c'est moi, c'est Nami. Salut, salut. J'arrive, Nami, j'arrive. D'abord, la forêt, ensuite le quiz absurde. Je commence à en avoir marre. Mais bon, me voilà. Tu viens avec moi sur la route 7? Un peu de concurrence m'aiderait à retrouver la motive. Allez, viens Nabil, on se fait un petit combat. C'était quoi cet endroit? Ah non, c'est pour partir. Oh, il y a un Poichijon. J'aimerais bien faire évoluer Poichijon aussi. Ça pourrait être rigolo. Mais mes Pokémon, ils sont pas suffisamment au level pour le moment. Je peux pas faire le malin. Parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. On a 2,42, ça c'est sûr. On a 1,37. On a 2,37. Bon, allez, c'est pas trop mal quand même. Hein. Astronel et Sucrène doivent passer des levels, mais c'est tout. En direction de la route 7. Remporter le badge du stade de l'Understair. C'est parti. Brum, brum, brum. Salut Nabil. Merci d'être venu, je voulais te parler. J'ai bien réfléchi, il faut que j'utilise plein de tactiques différentes si je veux essayer de rattraper mon frangin. Et je veux pas juste le rattraper, je veux le dépasser. Le blattra pas de couture. Bref, je pense que toi, tu vois où je veux en venir. J'ai vraiment besoin de m'entraîner avec toi. En garde! Yes, c'est parti, Nabil. Nabil, le dresseur, veut se battre. Je suis prêt, mon petit Nabil. Tu as 5 Pokémon maintenant, ça va devenir un petit peu compliqué. Dresseiland. Astronel. Voyons jusqu'à où mon équipe se mènera cette fois-ci. On va tenter un petit choc mental. Dresseland utilise griffe ombre. C'est super efficace. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça s'annonce mal pour toi. Ça s'annonce mal pour moi.
D'accord, j'arrive. Il est trop stylé ce Pokémon avec Bross Island, ça fait un peu dédicace au Celt. Utilise griffe ombre. Ballon brûlant. Bonjour. Salut, t'as voulu faire mal à Astronel? Prends ça! Astronel, c'est mon copain à moi! Ta manière de combattre ressemble à celle de mon frangin. Le TC Island crève. Il est stylé. Nabil veut envoyer en flex. Vous voulez changer de Pokémon? Changer de Pokémon. En flex, c'est un Pokémon psy, non? Prend le double de dégâts d'insecte. Ah non, insecte est fort contre psy ou psy est fort. Oh putain, j'ai vraiment du mal à lire le tableau des dégâts. J'ai du mal à lire le tableau des dégâts. Attaque, type de la cible. Voilà, donc en si je puis un insecte et que je tape un psy, je fais le double de dégâts. Donc utilisons Astronel contre le Pokémon qui arrive là. On va voir ce que ça donne. On voit en flex. Putain, il est trop stylé en flex. Mais il va me l'endormir mon Pokémon. Est-ce que j'ai le temps de le soigner ou pas? Je le one-shotterai pas donc. En fait, c'est très con d'utiliser. Si je veux le faire level up, il faut que je change de Pokémon et j'utilise un autre Pokémon qui est fort contre le psy. Mais j'en ai pas d'autres. Hein. Allez, Pyrobut, reviens. J'ai besoin de toi. Parce qu'Astronel, il est trop bas level. Même si l'attaque insecte est fort contre psy, le problème, c'est qu'il est trop bas. Donc, plaquage. Bah, ça fait quand même mal à... Ça aurait one-shot le truc. Hein. Ballon brûlant. Fait de bons dégâts, mais... Paralysie. Il aura du mal à être attaqué, mais c'est pas grave. Au pire, je lui mets une super potion dans les dents. Est-ce que j'utilise une attaque? Je pense. Ballon brûlant, ça passe. Allez, on flex, c'est quasiment mort. Utilise plaquage. Donc, on utilise encore une super potion. Hyper potion. Une hyper potion. Putain. Il va être long ce combat. Eh, le jeu il est en train de se complexifier là, quand même. Hein. Le jeu est en train de sacrément se complexifier. Hein. J'ai plus qu'un ballon brûlant. Oh putain, mais jamais je vais le battre ce Pokémon. Allez Corvélis, j'ai besoin de toi. Non, ça va être chaud. Corvélis. Est-ce que plaquage ça peut marcher? Utilise stockage. T'as encore la défense de Ronflex. Putain, il va être difficile à battre. Le problème c'est que je sais pas qu'est-ce qui est fort contre Ronflex. Je connais pas ce Pokémon. J'ai réel d'acier mais je suis pas sûr. A mon avis, vu qu'il a augmenté sa défense, il va être long à tuer. Hein.
On essaye de voir qu'est-ce qui pose problème à Ronflex, mais bon, bec gris, je pense pas. Ah si ? Coup critique. Plaquage. Ça va, ce n'est pas très efficace. Allez, Corvélus, utilise bec gris et finissons-en avec Ronflex. Ok, paralysé, merde. Bec gris. C'est bon, finis-le. C'est fait. Bien joué! Bien joué, Corvélus. Compliqué, hein? Compliqué ce duel face à notre ami Astronel, montons de level 31. C'est bien, Astronel. Alpha Manoir, voulez-vous changer de Pokémon? Changer de Pokémon. Alpha Manoir, c'est un Pokémon haut. Donc j'utilise Tritosaur. C'est prêt, mon pote. Alors, t'envoies ton Alpha Manoir. Et je vais faire au croupillé. Utilise tranche. Ça va. Ça tient. Utilise au croupillé. Boum! Dégage! Rat de marée sur ta gueule! C'est super efficace. Notre équipe a changé de type. Et boum, on passe un deux levels. Bandard barbare monte au level 38. Au revoir à un Gorythmique. Gorythmique. Mais c'est la troisième évolution du Pokémon que nous aimons bien. Tire au but, à toi. C'est son singe ça, Gorythmique. Et oui, c'est son singe. Waouh, trop stylé. Attaquer. Ballon brûlant. Espérons qu'il soit pas paralysé. Merde. Oh, putain. Il a pas pu attaquer. Chier. Ah, tu t'attendais pas que mon Pokémon fasse un coup critique. Eh non, Nabil, je ne pensais pas que tu deviendrais aussi fort. Mais je suis fier de mon meilleur ami. Pandarbar, je vais m'occuper de ce gros singe qui pue. Nous les pandas, aussi on aime les arbres. Machouille. Allez, on passe au sérieux, je vais pas te faire de fleurs. Utilise tambour battant. Oh putain de merde. C'est bien. Panda barbare, je te fais confiance. Tu dois t'en occuper. Bien joué, Panda Barbare! Pandarbar, pardon. Trop solide, mon Pokémon! Sucrène monte au level 33. Nabil envoie un Fulgodog. Voulez-vous changer de Pokémon? Changer de Pokémon. Sucrène? Ouais, je sais pas. Le truc, c'est que c'est un Pokémon de type éclair, donc il fait un peu chier tout, quoi. Les dresseurs, c'est ce Nabil envoie Fulgodog. Elle est stylée. Bat sucrète. Pas mal. En plus, on lui baisse l'attaque, donc ce qui fait qu'il va faire moins de dégâts. Hurlement pour augmenter. Oh, il a fait venir Corvélus. Rigolo. Enfin, c'est un Pokémon de type éclair, il va faire très très mal à Corvélus. On va utiliser Arrogance. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Je pense qu'il faudrait que je change de Pokémon. Mais bon. Changeons de Pokémon. Refont venir Sucrène. Allez, Sucrète, j'ai besoin de toi.
Ce n'est pas très efficace. Mais il me paralyse quand même, et ça, c'est chiant. Botte sucrète. Et merde, elle n'a pas pu attaquer. Ça, c'est le problème, hein. C'est ça, la force des Pokémon électriques. Oh non. C'est chiant, ça, quand même. Astronel, Pokémon insecte. Choc mental. Mais non, mais je suis con. Machouille, ça va faire trop mal. Je suis con parce que je le fais mourir, mon Astronel, pour rien. C'est con ce que je fais. Bien évidemment qu'il est, il est pas, il a pas le level qui, il a pas le level pour. Allez, envoyons Tritosaur. Putain, le combat il est dur. Hein. Pourtant, on est pas mal. Hein. Au niveau puissance, c'est quoi le plus élevé? 60, 60, 90. Envoyons un 90. Machouille contre un Pokémon sol. Au croupi. Pokémon haut contre éclair, normalement c'est pas censé être fort, mais ça va, ça va, ça va. Le dog. C'est bon! Et on l'a battu. Et bah. Très clairement, il a progressé, Nabil. Ha! C'est devenu un PGM. Si j'hésite en combat, c'est sûr que mes Pokémon vont pas réaliser tout leur potentiel. Ikea remporte 4440. Comme quoi, hein, le jeu il paraît simple au départ, mais quand même, hein. Il devient pas si simple que ça. Ou alors je dois pas maîtriser mes Pokémon, pourtant j'ai l'impression d'avoir une bonne équipe. Il me manque quelque chose pour arriver à son niveau. Oh, t'inquiète, je vais continuer. Merci de me laisser tester mes techniques. T'es un super pote. Bouge pas, je guéris ton équipe. Ah oui, tant mieux. Yes. Ce serait bien que tu me files une technique pour guérir mon équipe comme ça. Ça pourrait t'aider. Je vais décrocher le badge de Ludaster et j'attendrai en tournant après pour te vaincre. Oui, bah oui. T'inquiète. Après, il faut aussi se dire que mon équipe, elle n'était pas forcément hyper haut level. Et je connais pas tous les types de Pokémon, donc je sais pas à chaque fois... Il y a quand même 400 Pokémon dans celui-là, donc c'est difficile de tout retenir. Mais ça va, on progresse bien, on a une bonne équipe. On a une bonne équipe, je pense. Après, le problème, c'est quand on joue contre des Pokémon... le problème, c'est qu'on a beaucoup de Pokémon de double type. Astronel, il est Psy et Insecte. Pandavarbar, il est Ténèbres et Combat. Corvidus, il est Ténèbres et Acier. Tritosaur, il est Sol et Eau. Donc ça fait des doubles combos. C'est pas juste un type de Pokémon, et c'est pour ça que j'ai du mal à retenir. Parce que des fois, je mets un Pokémon qui est fort contre ce type, mais l'autre type est faible contre le type. Ce qui fait que, voilà. Après, Tritosaur, il a l'air quand même très très fort. Hein. Son pire ennemi à Tritosaur, c'est ce qui est fort contre l'eau, et ce qui est fort contre le sol. Et ce qui est fort contre l'eau et fort contre le sol, c'est... La glace, non? Non. C'est quoi qui est fort contre Tritosaur? Je vais essayer de trouver ça, cette information juste avant. Acier, peut-être? Pas du tout. C'est plante, c'est plante. Par plante, c'est plante. C'est plante qui est fort contre sol. Plante, voilà. C'est, je crains les Pokémon plantes avec Tritosaur. Ok, ok. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans 2 jours pour un nouvel épisode de Pokémon. Et puis, je vous dis bon courage aussi pour la reprise de cette semaine, les potes. Vous êtes les meilleurs, vous allez assurer. Je vous fais des bisous. Ciao!